je vais le transformer en atelier d'État pour la corruption. Parce que, ouais, 22% de corruption, ça fait un peu beaucoup. Donc là, notre armée reste en position. Les armées du Shu'an sont en train de se balader. C'est un peu pénible, mais bon, fait avec. Alors, j'ai juste regardé un truc dans les réformes. On n'y est pas encore, hein, bien sûr, mais je vais regarder. Il nous faut ça. Hein. Il va nous falloir cette infanterie-là. Salut, Mitrandir. Comment vas-tu? Il nous faut chercher les hauts fourneaux de l'État pour avoir l'infanterie. L'infanterie. Sinon, on va jamais s'en sortir. Nos sentinelles, nos infanteries de Djenn vont se faire vite péter à chaque fois, mais ça, c'est un peu pénible. Là, l'armée du col de Kyun de Diaoshan, elle va rester en position. Ah, il va tenter de récupérer, c'est ça? Ah, ils vont tenter de nous attaquer. Bon, ça m'étonne pas de lui. Bon. Je vous propose de nous allier. Attends, il faut discuter peut-être. Non, je rentre pas dans ce jeu d'alliance. Ça va, ça va. On essaie de prendre vite notre deuxième siège là pour être peinard. Alors. Bon. Oh, ils sont en train de refaire une arme et ça, j'ai pas envie. J'essaie de tracer un peu. Avec intégrité. En avant. Non. Préparez-vous à partir. On va se mettre là avec les deux. La prudence bride les élans de l'âme. On va tenter d'aller chercher lui. Non, on va aller chercher la ville d'abord. Mettez vos leçons en pratique. Trinquons à cette victoire bien méritée. Cette plaisante. Voilà, on récupère une nouvelle colonie. On gagne du prestige en plus. La paix par la conquête. Je vais juste convertir ça comme ça. Bon, on perd un peu de bouffe, mais on est pas mal comme ça. Et là, le Wu commence à reculer. Ce qui est plutôt cool. Alors, Mayunlu, toi. Est-ce que je t'envoie chercher cette ferme? Non, on va attendre. On va se reformer un peu. Je vais peut-être changer quelques unités. On a déjà deux protecteurs des cieux là. Je vais prendre deux infanteries de Zanyaman. Ça a l'air pas mal pour ce que j'en ai vu. Donc, je vais partir là-dessus. Ouais, mais là, Loubou, j'ai besoin d'une base et je vais voir comment va réagir Loubou maintenant. Il va récupérer. Là, c'est une petite armée et je pense pas qu'elle aura la force pour prendre une ville, tu sais. Ah, Tsaïmaou, il se barre. Une arme exquise encore, ça c'est pas mal. Retour en position de base. Décimez-les. Alors j'ai continué le siège en attendant. Et je vais ramener l'armée de Tsao Pi en renfort. Repos. En pleine marche. Prêt pour la marche forcée? Bon. Frappez juste. Il est temps d'en finir. Mais c'est bien ma midi qui est à côté de la ville, non?
Attends, qui ça? Non, tu crois, tu... Tao Weying. Ding Han. Non, c'est Tsai Mao. Bon, allez, on va s'emparer de ce second siège. La victoire nous a été accordée. Exécution, exécution. Trop de temps pour capturer. Occupons cet endroit. Le royaume de Wu n'est plus empereur. Bon, bah ça c'est cool. Un jour, l'harmonie sera rétablie. Ça fait qu'on contrôle deux sièges, les amis. Nous contrôlons le siège de Shu et de Xindu. Maintenant, bah, le problème, c'est bah, le royaume de Yan. Va falloir remonter, les gars. Alors, comment je vais faire mon coup ici? Je vais me mettre en embuscade là. Préparez-vous à bondir. Alors là, la capitale, par contre, on va voir un peu ce qu'ils ont. Il y a des trucs intéressants, mais ça, non. Il y a une poissonnerie, ouais. Voilà, on va rétrograder un peu la cité. Voilà, déjà tout ça. La soie pour le marché, je vais le garder, ouais. Après, j'ai pas encore de soie. Alors, à moi, je commerce avec Madaï. Ouais, je commerce avec Madaï, effectivement. Donc, le truc de soie, on va le reconvertir tout de suite. Voilà. Alors, nos relations avec Cao Cao, ça se passe comment? Ça s'améliore ou pas? Bienvenue, camarade. Ça continue de s'améliorer avec Cao Cao, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on a une garnison au niveau 3 qui est pas mauvaise. Donc là, on va pousser, on va juste se concentrer sur le... Wu, et je pense qu'on pourra se mettre bien, quoi. Ouais, c'est vrai, Loubou, j'avais pu penser, mais je me souvenais plus s'il fallait que tu possèdes la ressource directement ou si c'était par le commerce. Mais apparemment, c'est dans les deux cas. Maintenant, je le suis au courant. Alors, ça, c'est bien. Et toi? Voilà, on est pas mal. Plus d'instinct pour toi, ça peut être utile. Donc là, on va c'est simple, on va pousser contre le Wu. On va essayer de récupérer le Liu Zhang, ça va nous donner une petite tête de pont ici, en espérant que Cao Cao n'en profite pas. Et on va surveiller un petit peu les armées de Liu Bei aussi, en attendant. Ouais, ça va le faire, on y croit. Ça fait déjà bientôt 200 tours. Hein. L'armée qui descend, tu l'attaques pas? Bah, je la laisse, regarde le bout. Regarde son état, quoi. Quoique, t'as peut-être raison, hein. T'as peut-être raison, effectivement. Préparez-vous à partir. On va vite pas traîner, en fait. Je me souvenais plus que c'était l'une des armées qui m'avait posé énormément de problèmes. On va tout de suite faire ça. Au moins, ce sera fait. Notre peuple aspire à être de nouveau libre. Non. Très bien. Pas pour l'instant. Ok, il s'est placé, j'ai compris ce qu'il va faire. Là, il perd des hommes. On va en profiter pour la détruire. Alors. Lu Jun a été détruit.
Alors, Eugene. Faiblissez pas. Saopi. On va aller chercher le Siri ici. Frappez fort. Alors, attends, on va juste affamer. Au niveau de l'arbre. Ah, il me faut ça, hein. Il va nous faire de l'infanterie lourde là. Ça va commencer à roxer du poney. Machao, est-ce que tu peux me chercher ce terme? Merci. Faites preuve de ferveur et vous serez invincible. Il ne mérite rien de moi. Voilà, on récupère pas mal d'argent comme ça. Donc on surveille un peu. Bon. Globalement, ça se passe plutôt bien. Honorez vos idéaux. On continue d'avoir de plus en plus de ressources. Là, il faudra qu'on dégage Liu Bei hein, d'ici de Shangsha et tout. Hein. Ça nous met une sérieuse épine. Puis en plus, il a du thé, il a des bonnes ressources, le Saligo. Ah, il y a une révolte de turban jaune ici. Bon, on s'en occupera, c'est plus tard, ça va encore. Elle n'est pas menaçante encore. Et Diaoshan, tu restes là. Toi, tu vas rester là aussi. Ok. Et Chindu. Pensons à notre avenir, celui de la Chine. Que bah écoute, pour vous, des fois, il faut une première à tout. Hein, tu sais. Moi, maintenant, je suis plus surpris de rien avec les IA. Franchement, le skin de Cao Pi, il est vraiment donnez beau. Tout aujourd'hui. Demain est un autre jour. Bon. On va voir s'il sort cette fois. Lancez les projectiles. Nos troupes ne sont plus cachées. C'est pas grave. Ok. Ok, ça c'est fait. On va viser les archers en arrière. Quoique, attends. J'ai déjà vu les tours, ce que ça faisait là, en diagonale. Bon bah l'autre, elle a cramé, c'est cool. Yes, c'est gagné. Ouais, les Louis, alors Louis Bao a confédéré Louis Bei, hein. C'est dans la famille, tu sais, ça, c'est comme ça. Ça me fait chier son territoire, mais quand il y aura la guerre, je vais essayer de le repousser de là, Liu Bei. Voilà. Voilà, les arbalétriers qui tirent sur les capitaines d'armes J. Allez. On avance tranquillou. Ah, ils vont se replier, ils sont sérieux là.
Visez-moi cette milice G là. Allez. En mode peloton d'exécution activé. Viser leurs archers en priorité là. Voilà, c'est bien. La milice d'archers va prendre un coup aussi. L'ennemi s'enfuit, les lâches. Alors, moi, Liu Bei avait confédéré Yu Biao et Yu Zhang en quelques tours. T'imagines pas le territoire que ça lui faisait avec son territoire de départ et quand et c'est quand j'ai joué à Montreuil. Ah oh bah Liu Bei il est capable de tout. Hein. Alors on va avancer tranquillement mais sûrement. On va viser cette unité de G. Oh, oh là là, on va reculer. On va envoyer les dresseurs de fauves ici. La petite mauvaise surprise, là, on va pas se le cacher. Putain. Ça, c'est casse-couille, les villes forestières. Que c'est casse-couille. Allez, on va viser ces guerriers lanciers. Regardez-les fuir. Voilà. Allez, cette milice armée de G là. Chut. Les guerriers ennemis dégarpissent. Allez, les guerriers lanciers. Le capitaine, allez. Excellent. Là j'ai envoyé les deux milices d'archers, j'espère qu'il n'y a plus d'autres unités, normalement non. Voilà. Donc les dresseurs de fauves là font le job contre leurs archers. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être reculer. Hein. Et là on va envoyer toutes nos unités. On va capturer le point de victoire, au moins le moral sera en notre faveur. Voilà. Ça va les calmer un peu comme ça. Il nous faut des armées maintenant qui vont être qualitatives. Ceux qui s'opposent à l'harmonie doivent périr. Mon règne apportera la prospérité. Voilà, Chindu, ça devient bon. Donc là, Liu Zhang va aller chercher la poissonnerie. Repos. Frappez ensemble. Quand la justice triomphe, on festoie. Ça nous revient de droit. Ok. On récupère pas mal de fermes ici. Ça nous met plutôt en bonne position. Infrastructure militaire ici. Parfait.
Donc là, avec l'armée de Ma Yunlu et de Cao Pi, on a une ouverture potentielle sur Poyang, ce qui est plutôt pas mal. Il y aura juste l'outilleur, la ferme ici qui va nous gêner un peu. Mais ça devrait aller. Donc Yuan Tan, il ne reste plus grand chose. Donc là, le royaume de Yan est très fort ici parce qu'il a, il a une commanderie qui a l'air intéressante, mais bon. Peut-être former une nouvelle armée ici. Comme ça, on va aller chercher les trucs. Comme ça, Diaoshan, elle va tanker. Nous, on va taper comme ça. Et ensuite, on détruira le royaume petit à petit de Yan et de Liu Bei. Là, je pense que ça peut être le bon plan, hein. On est en paix pour combien de temps encore avec le royaume de Yan? Encore 6 tours au moins. Alors, Cao, ça s'est dégradé ou pas encore? Heureuse nouvelle. Non, il nous adore toujours, ça va. J'ai envie d'annexer le royaume de Wei, mais bon. C'est pas le plan encore. Moi, il faut... Parce que là, au prochain tour, il peut aller chercher le tireur de Poyang. Ça m'arrange. Ouais, c'est ce que je vais faire. Il y a juste les deux armées au nord, je vais laisser quand même. Parce que si le royaume de Yan nous refait une Trafalgar. Bon. Ah, il y a des rebelles turbans jaunes, c'est vrai, je les avais zappés ceux-là. Yuan Shanshu, donc c'est l'une des filles de Yuan Shu. Exécution. Voilà, oust. Ils ont manqué de stratégie. Relâchez-les, ils nous sont inutiles. Voilà, ça les calme. Juste améliorer le temple ici. Parfait. Voilà, donc avec mon vassal, je pourrais faire le tour comme ça. Alors, Cao, je veux bien négocier avec toi. La commanderie que tu me contestes, c'est Chindu. 24. Ouais, on descend à 14-6. Si je te propose un échange de nourriture régulier. À 50, t'es gourmand. Ils veulent quoi? Non, tu rêves. Alors le ou fini, ça c'est obligatoire déjà. Pas de quartier, endurcissez-vous. Ok. Allez, on continue. En route pour Poyang. La patience nous mènera à la victoire. Vous l'avez bien dit. La guerre est la seule option. On pousse là. Je n'aurai la paix que si vous vous taisez. Ouais, il fait du brouillard, évidemment. On va se mettre là. On a deux, trois généraux. Allez, on va les envoyer un petit peu se bastonner. Guerrier, écoutez-moi. Au combat. Ils ont pas un équipement dégueulasse en plus, hein. J'ai mis l'épée de Sunrun sur Cao Pi, pour ceux qui s'en rappellent. Le troupe ne
Détachez ! Parez ! Nous, on va s'occuper des cavaleries. Voilà, ça va cramer un peu les arbres. Oh, il prend cher, monsieur, ici. Un camarade est en péril. Waouh. Ah ouais, lui, il s'est fait découper, littéralement. Je sais que c'est une sortie de niveau 3, mais waouh. Préparez-vous aux ordres. Toi, va chercher cette armée-là. L'heure est venue. Aux armes. Guerriers. Ouais, ils sont encore un petit peu trop tendres, ces deux-là. C'est ça l'ennui. Aux armes. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Préparez-vous. Au pas de charge. Là, on va envoyer toute notre cavalerie ici. La victoire approche. Ouf. On s'est dormi en mode bouclier. Ah. J'ai perdu le stratège, j'espère qu'il est pas mort. Préparez-vous. Ça une minute d'inattention et ça finit mal. Protecteur des cieux, venez là. Allez, on va aller chercher ici. Regardez-les fuir. Lâche. Non, le plus dur est fait, allez. Oh, le TK, attention. C'est ça, allez, je vais vous jeter dans la forêt qui crame, ça me va. Oh, Tsaopi, il a fait le job. Vos troupes n'ont plus de munitions. Impossible de tirer. Bon, je vais laisser ma sentinelle tuer le plus d'ennemis possible pour qu'elle gagne peut-être un level. Allez, elle va y arriver, sans une centaine de kills déjà. Vos troupes n'ont plus de munitions. Impossible de tirer. Voilà, bon, je pense qu'on leur a fait mal. Donc là, c'est plutôt cool. Nos plans se réalisent. Voilà. Il serait prudent d'occuper cet endroit. Allez, un trésor, un auxiliaire. Mayunlu, direction la ville de Poyang. Ouh.
Imaginez la victoire, et vous l'aurez. Ça nous revient de droit. Je ne faillirai pas. Ok. Là, ils vont commencer à réfléchir de où il ne reste plus grand chose. À l'attaque. Écoute, Machao, faut tracer mon pote. Rassemblez vos forces. Cela n'arrivera pas. Ok, bah notre stratège qui était blessé, il a réussi à choper le niveau 4. Je lui mets tout de suite la sagesse de l'arrière. Pour qu'on soit tranquille. Par contre, là, je vais essayer de mettre des affectations. Voilà, 75% de commerce ici. Revenu de la paysannerie. J'ai pas une bonne commanderie de revenu de paysannerie. Bah, Shindu. Ah non, j'ai que deux trucs sur les trois, c'est vrai. Allez, on va faire ça. Attention. À mon avis, là, cette arme-là, elle va attaquer. Attention, hein. Là, les armées de Tsao Tsao commencent à se masser, il va falloir faire attention à tout ça. Est-ce que je peux aller chercher lui? Victoire à la Pyrrhus. Je vais prendre la victoire à la Pyrrhus ici. Ça fera une armée en moins dans le coin. Notre probité l'a emporté. Faisons ripaille. Les garder en vie coûterait trop cher. Aux armes. Quand la justice triomphe, on festoie. Nous marchons ensemble. L'objectif est fixé. Allez, on va se reformer ici. Est-ce que Tsao Pi peut aller chercher la mine ici? Ah, il va lui... Il va lui manquer que ça, quoi. Voilà. Et Machao, tu te manies. Tu remontes vite. Oh putain. Il y a une armée complète là dans la Syrie. Rien ne nous arrêtera. On bouge. Donc là, le où il reste que ça ici. Espérons qu'ils s'en prennent pas la mine, ça m'embêterait ça. Ah, il s'est emparé. Putain, Tsao Tsao, il commence à être chiant, là. Bon. Alors, toi, tu vas revenir par là. Écoutez votre cœur. Attisez la flamme et frappez. Aux armes. Bon, je vais essayer de négocier avec Tsao Tsao pour la ville de fer, là. Quelle joie de vous voir. Pourquoi il faut que tu sois chiant, Tsao Tsao? Hmm.
Ok. Même ça, ça te plaît pas. Ah non, ça c'est pas de la nourriture, ça. Ok. Échange de bouffe. Si je te donne 63. Nous avons donc un accord. Voilà, au moins on récupère ça via la diplomatie. Ça va nous aider niveau pognon. Prêt à marcher. Et là, il faudrait que j'arrive à me planquer. Gardez l'œil ouvert. Comment ça, tu peux pas aller plus loin? Bon. Prends deux villes à côté de chez lui. Eh, c'est vrai que je pourrais lui échanger des villes, effectivement. J'ai une idée. Restez à l'affût. On va prendre Liu Yang. On va lui rendre et on échangera le port. Comme ça, on sera quitte. Ils font son marche forcée vers Liu Jiang, il fallait s'y attendre. Alors, la carte, c'est comment? Ça va, ça passe. Un agriculteur perforant, et elle a combien en perforant? Ouais, je me doute qu'il a vu le coup venir, Loubo. C'est pas un amateur de Tsao, c'est clair. Bon. Bah, tu sais quoi, on va se mettre là. On a des tours, on va les mettre là. Machao et toute sa cave, on va les planquer. Ah, les protecteurs des cieux, on a les zappés. Protecteurs des cieux. Ensuite, on va mettre des lignes de pieux là. Bon. Ah, je pense qu'on n'est pas, on est pas mal. Ils sont là, nos ennemis. Oh là, attention. Comment ils... Bizarrement, ils viennent de ce côté-là, hein. Curieusement. Hein. Ils nous ont vus. Allez, on y va, let's go. Voilà, les premiers généraux qui se pointent, les premières unités qui se pointent par là, c'est cool. Machao qui est en train de faire le job avec la cavalerie ici. En avant. Chargez. Allez, moins 18 de morale. Bon, ça c'est fait ici, qu'est-ce qu'on a encore? Des ennemis cachés.
Arrêtez votre rage. Alors ici. Guerrier, écoutez-moi. Prêt. Oh, il cherche à nous dégommer, d'accord. Guerrier, écoutez-moi. Donc là, notre cavalerie, on a réussi à l'emporter, c'est plutôt cool. Il y a une autre unité d'archers qui se pointe là, on va changer le tir. Vas-y toi, viens là. Regardez-les fuir, les pleutres. Vous êtes faibles. Allez. C'est à l'ennemi. Le phénix s'élève. Éloignez-vous des arbres. Éloignez-vous des arbres. Regardez-les fuir, les pleutres. Il y a encore tout ça de cavalerie, bah punaise. Bon, c'est bien. Là, Wawani, elle est en train de dégommer la une des sentinelles en face. Vite, balancez ça là. Non, 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 non. Voilà, c'est bien. Il y a une partie des G qui va brûler comme ça, ça c'est cool. Et nous, on va revenir dans le dos. Attends, quoi? D'où elle est en plein combat, elle? Bon bah ok, elle est contre un stratège en combat, pourquoi pas. Le général ennemi est tombé. Il n'était pas de taille. Bon, toi tu viens là. Machao, il va revenir dans le dos. Oh, merci du raid, Jack. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous les viewers de Jack aussi. On continue de tabasser des en Chine. Alors toi c'est mort. La victoire sera à moi. Mourez en silence. Ok, un petit duel. Allez, viens, on va te chercher, toi. Quoi? Le combat est fini. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Salut le myope, bienvenue à tous. Merci à tous. Et bienvenue pour la guerre totale en Chine. Ça bastonne pas mal. Salut Artag, salut Gercharco, bienvenue à tous. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien amusé chez Jack. Alors, la cavalerie. Bon, là, il n'y a plus rien. Alors, allez les gars, allez me chercher ces gugus. Vive la Chine. Allez, allez, allez. Chopez-les. Allez, foutez-leur un coup dans le dos, voilà, merci. Nous manquons de munitions. Alors, le duel, ça se passe comment ici? Bon, bah c'est plié. Voilà. Elle, c'est une découpeuse de généraux adverses, rien à dire. Bon, on va accélérer un petit peu pour essayer de faire de la poursuite. J'ai pas envie que les ennemis se reforment à tir l'arigot parce que c'est chiant. Oui, on peut essayer ça, le myope. Je sais pas sûr que ça passe, mais on pourra essayer à l'occasion. Par contre, eux, ça sera plus... Tu vois, je pense qu'ils pourraient boire du vin que de la bière. Parce qu'en Chine, je sais pas s'il y en avait à l'époque des Trois Royaumes. Le vin, je suis quasi sûr. La bière, en revanche, moins. Allez. Kata Fractaire, les maraudeurs Chiang, tout le monde est content. Allez. Donc là c'est cuit, là c'est cuit, là c'est cuit. 5, 20. Oh, 28, c'est un peu trop là. Il faut nerfer tout ça, messieurs, dames. Ah oui, c'est vrai, Artak. Bon, bah, j'ai rien dit, je vais me cacher dans. Je vais me cacher dans ma rizière, je reviens. Bon, bah, si vous me retrouvez pas, c'est normal, je suis perdu.
Ah, l'alcool de riz, mais c'est pas vraiment de la bière. Bon. Bah, bon, on va lancer un débat. Est-ce que l'alcool de riz, c'est de la bière? Vous avez 2 heures, le mec. Bon, il n'y en a plus. Ah, si, vous, là, vous êtes combien? Oh, 61, ouais, c'est un peu beaucoup, ça. Sachant que c'est une infanterie d'assaut, les Anyaman. C'est une infanterie, en fait, pour vous la faire simple. C'est une épée. Alors, attendez. Qui a la taille 2 mètres. Donc, je vous laisse imaginer, vous pouvez faire des pieux avec ça. Bon, bah là, il y en a un qui l'a chopé. Le phénix s'élève. Bon, là, on a raté notre coup, mais c'est pas grave. Il faut de la mise en la riz, il y en a plein. Le saké, c'est donc ça aussi. D'accord, je ne savais pas. Je me coucherai moins bête ce soir. Bon, ils étaient arrivés à 1300, ils repartent à 91. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oh, j'ai soif, moi, avec tout ça. Alors, Machao, le décupeur, lui. À cette victoire bien méritée. On l'a capturé, lui. Exécution. Ils ne nous coûteront plus reconstitution. Rien. Sinon, la bière moderne en Chine, ça ressemble beaucoup à de la Heineken. Non, non, non. Comme vous voudrez. Non, 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 je te sens pas, toi. Alors. Oh, Wawan Lee qui a 69 ans et qui rend 9. Chapeau. Une dualiste de renom en Chine. À l'attaque. Merci. Le ciel a récompensé notre fougue. Voyez-y de la mansuétude. Mettez vos leçons. Donc là, on va arriver ici. Alors, on a des level up. Alors, elle, notre administratrice, ténacité de l'acier. Notre administratrice, Aluling, zèle. Donc là, on est plutôt bien. Par contre, est-ce qu'on peut aller chercher rapidement la ville là? Enfin, c'est pas une ville, c'est un port, pardon. Un port de pêche. C'est de la folie. Donc là, on va essayer de s'emparer de ce port. On va essayer de négocier un petit arrangement. On a 22 000. On pourrait lever une nouvelle armée. Bizarrement, je levais une armée... Alors attends, je regarde l'état de la route. Et je vais lever une armée dans cette province parce que bientôt on va devoir attaquer. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Simaï, il a quel âge lui? 48 ans, ça va. Bon, déjà on va changer des unités. Qu'est-ce qu'on a de beau? Arbalétrier lourd. Arbalétrier lourd. On a déjà 3 arbalétriers lourds. Et je vais embarquer. Tout pique, un trèble ses pentes vers la terre. Et je pense que je vais partir sur quoi? Alors défenseur de la terre, ils sont que 30, c'est ça qui m'ennuie. 2 archers montés, ça peut être pas mal niveau mobilité. Oh, elle va coûter cher son armée. Garde royale de chaîne, ça c'était les anciennes unités de Liu Chong. Ah, ça me coûte tout, putain, ça me coûtait un bras, mais bon. Après, il y a de l'unité là, je vais la dégager, je vais partir sur ça. Ça coûte cher, hein, mais j'en prends la responsabilité. Et il nous faudrait un commandant de cavalerie. Alors soit un avant-garde. Non, eux ils s'entendront pas, c'est mort. Lui il est que niveau 1, c'est ça qui m'ennuie. Ça me coûtait un bras tout ça. C'est moi qui vous le dis les gars. Des cataphractaires, tu me diras.
On va partir sur du catafractaire. Rendez votre âme aussi immaculée que la neige. Si tu me dis que je peux prendre des protecteurs des cieux, je suis aux anges. Je suis aux anges, des protecteurs des cieux. C'est ce que j'avais besoin. Rassemblez. Alors, on a 7 level up ici. Voilà. Je vais le mettre double G. Cette armure là, ce sera parfait. Il nous faut un partisan. L'attaque. Ça c'est top. Alors lui. Hey, il a une bonne arme le monsieur là. Voilà. La ruse, c'est pas ton truc normalement, mais ça, je veux bien à la limite. Alors, attends. Voilà. Simaï, on va te mettre quoi? Oh, vas-y, ça. Le classique de la piété filiale. Ensemble orateur, ça, c'est quoi qu'il faudrait? Il te faudra un philosophe que tu n'as pas. Ah. Bon, en attendant, on est plutôt bien. Alors, lui, j'ai oublié de lui monter ses trucs. Excellent. Donc là, on a une autre armée qui est prête ici en cas de problème. Donc là, on va encore se prendre une révolte ici. Alors, je sais pas c'est quoi, d'où ça vient, mais bon, c'est comme ça. Au prochain tour, avant de finir ce live, on va achever ici le Wu. Alors, ça, au pire, on va te placer là. Et toi, j'ai trop plié à la capitale ici. Et nous, avec là, on va s'emparer de là. Et s'emparer de là, on devrait pouvoir s'arranger pour récupérer un territoire. Des fois, faut changer, faut faire des petits échanges entre nous pour. De nos intentions, c'est laisser place au malheur. Tu veux quoi? Je vais temporiser un tour. Bien. La logique doit l'emporter sur l'ego. Je lui rends l'outilleur, mais je vais le récupérer. J'ai mon plan. Ah. Le Wu qui fait un beau baroud doux nerf. Ça, c'est plutôt cool. Alors, bienveillant, c'est cool. Alors attends. J'ai juste vérifié un truc 2 secondes. Alors déjà on a une technologie à faire au niveau de la réforme. Je voulais arriver à où moi, je sais même plus. Je voulais arriver là. 15% de toutes les sources je prends. Donc dans ce... là il me faudra que je termine cette réforme là, comme ça j'aurai mes fameuses unités de bretteurs de l'armée impériale qui sont très forts comme ligne de base. Et prochaine technologie, on rushera ici ces trois-là pour avoir l'entretien à moins 10% et une armée supplémentaire. Donc déjà, on va commencer par terminer le Wu ici. Que la fête commence. Comme ça, on n'a plus d'ennemis dans notre dos. Cette plaisante colonie sera nôtre. Alors, on a toujours moins 4 ici qui pose problème. Pour le moment, je peux pas faire grand chose de plus. J'essaie de monter la ville dès que possible. À l'attaque. La vertu a gagné en ce jour. C'est pour nos efforts. Voilà, on récupère une poissonnerie ici. Alors, je vais tenter un petit truc. Alors, attendez. Tiens, je pourrais signer. Non, 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 je ne vais pas signer d'accord commerciaux avec eux. Non, 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 on va éviter les problèmes. C'est
Ça, je veux bien, niveau de garnison amélioré avec Yuan Shu. Ça, je vais prendre aussi. Ça, ça va me coûter trop cher. Marie Yuan Shanshu, la fille du Yuan Shu. Voilà. Maintenant, on va tester la négociation avec Cao Cao. Bienvenue, camarade. Alors, tu as le Chindu. Je te demande le port de pêche. Je te propose un échange de territoire qu'on... Alors, toi, ce serait Liu Liang, donc le poisson. Putain, ça coûte pas cher, hein. C'est ça qui m'étonne. Et si je te mets les auxiliaires? On fait un peu de troc, hein. Ouh, ils n'ont plus grand-chose. On lui effectue un paiement de combien? Ah, on peut pas lui offrir de la bouffe. Attends, quoi? Ah, il veut pas me la céder, en fait, ce salopard, là. Attends, on va essayer de trouver une petite astuce. Là, le but, ça serait de réussir à récupérer ce port de pêche ici, comme ça, en échange de celui-là, comme ça, il est tranquille, et nous aussi. Alors, comment on va faire? Contre, alors, c'est quoi, nous? C'est celui-là, ouais. Ou alors, je donne mon armure, là, ok. Ouh, joli. Si j'effectue un paiement de 920. Ah, t'es dur, le jeu, là. Ok, il accepterait. Bon, c'est franchement, ça passe, quoi. Cela augure de bonnes choses pour notre avenir. Soyez la lame. Voilà. Comme ça, on récupère la commanderie totale ici de Chindu, ce qui nous met plutôt pas mal. Ouais, là, c'est plutôt cool. Donc on est plutôt bien. Alors elle, je lui donnais. Alors j'ai pas de truc spécial à lui donner, non. À part un truc, ça me plaît. Bon, on va y aller comme ça. Elle, on la fera repartir chez nous. Elle a pris un rang, on va lui mettre quoi? Voilà. Bah moi j'ai fait ça, le bout c'est que 50 x 10, ça va quoi. Ça aurait pu être pire. Par là, on a une grosse garnison. De toute façon, là, on est plutôt en bonne position. On se laisse un petit peu de répit. Le seul problème, c'est qu'ici, on a perdu une commanderie. Enfin, un territoire, c'était cet outilleur là qui aurait pu nous être utile. Parce que là, il faudra qu'on le récupère. On n'aura vraiment pas trop le choix. Et j'ai pas envie de me faire taper dans le dos par Gonsuzano. Il faudra que je redéploie des forces, mais ça, on verra ça pour une prochaine occasion. On a quand même bien avancé avec la diplomatie et aussi le fait de récupérer notre second siège. Il va nous falloir un petit moment avant d'arriver à Bohai. À moins qu'on mette 5-6 armées ici. Et qu'on rush directement, il faudrait remonter. Je vous laisse imaginer le bordel que c'est, enfin. Voilà, alors je voulais vous remercier à tous d'être passés, que vous soyez venus d'un raid, que vous soyez venus par curiosité ou autre. Donc je vais couper le stream ici.